ranger les courses. On va chercher les autres sacs dans la voiture. Ok. Tu n'es pas un homme facile à trouver. Je voulais fuir le plus loin possible du monde du crime. Tu n'as pas couru assez loin. Retourne-toi. Je peux savoir combien vaut la prime sur ma tête? 100 000 si je te ramène vivant, et 50 000 morts. Mais vu qu'on te considère comme le meilleur de la profession, je me dis que tu dois être quelqu'un de malin, et que tu risques de me filer entre les doigts. Tout bien réfléchi, je vais me contenter de la moitié de la somme, et te ramener un, deux ou trois morceaux dans des sacs. J'ai dit retourne-toi. J'ai pas l'impression de te connaître. Qui es-tu? La dernière personne que tu verras. Qui t'envoie? Tu dois me ramener à qui? Et Ernest, c'est ça? Il a fait appel à toi pour faire le sale boulot? Tu devrais savoir qu'on ne quitte pas le cartel. Quand on l'épouse, c'est pour le meilleur et pour le pire. Il n'a surtout pas apprécié de voir son meilleur élément partir sans dire au revoir. Tu veux savoir pourquoi je suis parti? Je m'en fous. J'ai rencontré une femme qui m'a montré la beauté du monde. Et on s'est mariés. J'ai pris ma retraite pour mener une vie de famille et être un homme honnête. Tu vas m'enlever ce droit? Les ordres sont les ordres. Mon jugement personnel n'entre pas en considération. Oh. Pas encore tué, je suis déjà refroidi. J'aimerais connaître le nom du type qui veut me mettre une balle. Ton nom, c'est comment? Je te connais pas. T'es nouveau dans la boîte? Je m'appelle Liam. Je viens juste d'arriver et je veux faire mes preuves. Bon, en fait, tes adieux. Une dernière question, Liam. Tu parles toujours à tes victimes avant de les assassiner? Parce que c'est quand même un sacré gros défaut. Non. Ben, moi, si. Adieu.